Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quizy FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Oui, l'actualité est chargée et lourde aujourd'hui, hier, aujourd'hui et peut-être même dès dimanche sur la place de la République. On a avec nous Mansour Kamardi, le député. Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va démarrer tout de suite avec l'actualité. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans cette feuille de route? Parce que c'est la question que tout le monde se pose. Cette fameuse feuille de route, est-ce qu'il y a quelque chose dedans qui nous intéresse? J'aurais bien aimé savoir ce qu'il y a dedans. Parce que je l'aurais su, j'aurais mis tout en œuvre pour le tuer dans l'œuf. Donc je suis malheureusement comme l'immense majorité ou la quasi-totalité de nos concitoyens. Je pense de Mayotte comme de France métropolitaine. Et ça, c'est inquiétant. Les quelques bribes d'informations que nous avons sont d'abord les images de signatures qu'on lit sur les réseaux sociaux, signatures entre le ministre comorien et le ministre français au Quai d'Orsay, le 12. C'est aussi un communiqué du Quai d'Orsay qui reconnaît que, effectivement, cette feuille de route, le contenu de cette feuille de route porte, un, sur la réinstallation de l'antenne de l'antenne française en juin pour délivrer les visas. Deux, la gratuité des visas. Et trois, la favorisation de ces pour les personnes qui souhaitaient aller à Mayotte, de venir dans le cadre de regroupement familial et autres, c'est-à-dire les éléments que nous avons pu déjà alerter, sur lesquels nous avons pu déjà alerter les populations. J'ai lu aussi le communiqué, ça aussi c'est un élément que nous avons sur la place publique, le communiqué de ma collègue, le docteur Amlati. Amlati. Qui dit qu'il y aurait un grand élu qui serait au courant de la feuille de route. Qui c'est ce grand élu selon vous? Je ne sais pas, je disais tout à l'heure que moi j'aurais bien aimé pouvoir l'être parce que j'aurais tout fait pour tuer l'affaire dans l'œuf. Malheureusement, n'étant pas forcément d'en marche, je ne suis pas de ceux qui ont pu bénéficier de cette information première. J'ajoute que je vis très mal l'idée que notre député s'est laissé un peu piégé par le Quai d'Orsay, puisque de ce que je lis également dans ce document, on nous dit qu'elle a lu le document. Que je sache de deux choses l'une, ou ce document contient des choses confidentielles qui ne peuvent pas être vues. Et à ce moment-là, je ne sais pas comment on peut le voir. Comment on peut l'interpréter, ou, hein. Comment l'interpréter. Ou alors, il s'agit simplement d'une politique de visa. Les politiques de visa, ce sont des éléments qui sont publics et donc accessibles à tous. Moi, personnellement, j'ai demandé à avoir copie du document. Je ne l'ai pas, mais je vous promets que le jour où le gouvernement décidera de me le communiquer, je le donnerai dans la presse pour que tout le monde le lise. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette feuille de route? C'est qu'il y a, c'est les seuls éléments, enfin, en ce qui me concerne, les seuls éléments que le gouvernement a voulu donner dans le cadre de la machin. Et moi, je voudrais enfin demander à ma collègue si elle a eu plus de chance que moi d'avoir le document. De grâce, publier ce document pour que tout le monde voit ce qu'il y a dans son contenu pour éviter les troubles qui s'annoncent. Parce qu'il y a beaucoup de colère dans l'opinion et de la colère justifiée. Et c'est pour cela que moi, je voudrais dire solennellement à l'ensemble de la population de Mayotte, moi je ne pourrais pas y être parce que lundi, s'ouvre à Paris la session extraordinaire, on va parler de la loi sécurité intérieure et de ceci à Mayotte et de problèmes de sécurité, donc je dois être là. Mais tous ceux qui sont là, des petits, les grands, doivent tous venir à Mamoudzou pour montrer au gouvernement que nous ne pouvons pas accepter les orientations qui sont dictées dans cette feuille de route, lesquelles orientations, je dirais, n'ont jamais été discutées avec les Mahorais. Vous, Mansour Kamardine, vous appelez au rassemblement? Ah, moi j'appelle que tout le monde vienne, oui.
à Mamoudzou, tout le monde... Ça ne ressemble pas, ça. Ça veut dire quoi? Que la situation est si grave que vous, député de la République, vous appelez au rassemblement? Je ne suis pas le premier ni le dernier député de la République appelé à un rassemblement. Oui, mais, vous... mais pour la première fois, j'appelle les Mahorais au rassemblement parce que ce qui est en cause ici, c'est Mayotte française. À ce point-là? Ce qui est en cause ici, je le dis avec la plus grande fermeté, la plus grande solennité, ce qui est en cause, c'est Mayotte française. Aujourd'hui, 52% de la population résidant à Mayotte est d'origine clandestine et comorienne. Aujourd'hui, quand on regarde, en 1993, les naissances à l'hôpital de Mamoudzou représentaient 46%. Aujourd'hui, les naissances à l'hôpital de Mamoudzou représentent 75% les naissances d'origine étrangère. Aujourd'hui, ce que les gens ne vous disent pas, ceux qui se présentent au bac sont 60% des élèves qui se présentent au bac sont d'origine étrangère. Autrement dit, Mayotte, les Mahorais ne sont plus là. Tous les efforts que nous faisons pour développer tout ça, nous le faisons en réalité, doivent bénéficier dans leur immense majorité à des étrangers. Donc si nous continuons encore avec cette fameuse feuille de route, avec ce qui est annoncé, et que s'il n'y a pas un infléchissement, et notamment dans les propositions que nous faisons, eh bien effectivement, Mayotte ne sera plus aux Mahorais, et ça, ce n'est pas acceptable. Ça fait froid dans le dos ce que vous dites. Ça va dans la lignée de votre communiqué quand vous dites qu'on assiste à la mise en place d'un remplacement de la population. Oui, parce que les quelques Mahorais qui restent encore fuient, ils partent s'installer à La Réunion ou ailleurs, et les places qu'ils libèrent sont occupées par ceux qui viennent. Et c'est une politique bien concertée. Parce que on vous dit, nous ne pouvons pas améliorer la situation sociale à Mayotte, parce qu'il y a beaucoup d'immigration, et en même temps l'État qui doit contrôler l'immigration laisse faire, et voilà qui vient même avec un grand projet de régularisation. Nous, nous disons, nous avons un cœur, nous savons qu'il y a des misères autour de nous, et que nous appartenons, nous avons cette chance, nos parents l'ont fait, cette chance de faire en sorte que nous appartenions à un grand pays qui a les moyens, éventuellement dans le cadre de la politique de coopération, d'aider ceux qui sont autour. Il faut aller les aider. Moi, j'ai proposé aux autorités gouvernementales de transférer les 30, 40, 50 millions qui sont affectés à la lutte contre l'immigration, au développement des pays de la zone, mais en contrepartie qu'ils s'engagent à ne pas laisser les bateaux aller à Mayotte. Or, qu'est-ce qu'on fait avec cette feuille de route? On fait venir tout le monde, on organise la misère, on fait partager la misère ici, mais une espèce de Guantanamo ou une espèce de centre de réserve, non centre qu'on a de Calais, où les gens sont ici, ils ne peuvent plus sortir pour aller en Angleterre, donc ici ils ne pourront plus sortir pour aller à La Réunion ou ailleurs. Moi, je dis au gouvernement que si c'est le souhait de nos frères comoriens qui veulent aller en France, qui veulent devenir des Français, oui, il n'y a pas de souci. Mais il faut leur donner les visas, qu'on prenne les visas depuis Moroni. Pour aller à Paris. Pour aller à Paris, pour aller à Marseille et ailleurs, parce que Mayotte n'est finalement qu'un petit bout de chou de 374 km². C'est très simple. Moi, voilà comment moi je vois les choses. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, monsieur le député. Dites-moi si je me trompe, monsieur le député. Moi, vous vous trompez. J'ai le sentiment que l'on m'a menti et que Ramlati Ali m'a menti. Je pèse mes mots parce qu'elle écrit dans son communiqué, il n'est pas question de supprimer le visa Balladur. C'est ce qui est écrit noir sur blanc. Et pourtant, elle parle bien de gratuité. L'instauration de la gratuité, c'est bien la fin du visa Balladur. Alors, je ne sais pas si elle vous ment. Je ne sais pas, parce que moi je n'ai pas eu la chance qu'elle a eue. Elle a lu ou elle a un document. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on nous produise ce document pour que nous puissions savoir très précisément ce qu'il y a dans ce document. Et à partir de là, on pourra commenter. Une chose est certaine, c'est que on accuse trop souvent de beaucoup de mots le visa Balladur. Rappelons tout simplement qu'au lendemain de la séparation des Mayotte avec les Comores en 1975, il y a eu un visa à l'arrivée. Quand on arrivait à Dzaoudzi,
on payait son visa pour entrer à Mayotte et puis on repartait. À l'époque, la situation à peu près économique était pareille. Petit à petit, cette situation est devenue difficile. Et à la faveur de la visite de François Mitterrand aux Comores en juin 1989, il va avoir cette phrase « Mayotte et Mayotte et les autres et Mayotte, il y a plusieurs façons de trouver l'unité, nous allons la rechercher ». Et il va décider de supprimer le visa à l'arrivée. Et donc pour arriver à Mayotte, on n'avait pas besoin de visa. Donc... et puis, parce que les gens leur servaient déjà la soupe en disant « Les gens ont besoin juste d'aller voir de la famille, ils reviendront. » Les gens sont venus, ils ne sont jamais répartis. Et en 1994, lorsque, effectivement, le père de la départementalisation et ses colistiers, Bamana, Marcel et les autres, sont rendus compte que les gens venaient et ne répartaient pas, ont demandé, obtenu de Balladur, la mise en place d'un visa, cette fois-ci, au départ. Et c'est ce fameux visa. Et donc, il a existé, il a été supprimé, en espérant que les gens repartiront, ne sont jamais repartis. Mmh. Il a été instauré, et bien qu'il soit instauré, les gens viennent. Et imaginez si le visa, non seulement il n'est pas payant, mais il est gratuit, et qu'il favorise les regroupements familiaux, il favorise l'arrivée de je ne sais qui, c'est toutes les, c'est les 800 millions, les 800 000 Comoriens qui voudront aller à Mayotte pour échapper à la misère. Mmh. Là-bas, il ne restera plus que le président et ses ministres. Mmh. Et donc, moi je dis, moi je ne suis pas opposé à ce que nos frères, nos compatriotes, nos voisins, tout ce qu'on voudrait aillent en France, au contraire. Mais il faut effectivement qu'on organise, que la France organise pour les accueillir en France, mais à Mayotte, Mayotte n'a pas les moyens de les accueillir. En tant que politicien d'expérience, on ne vous la fait pas à vous. C'est clair. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, avec ce qui est en train de se tramer, ces feuilles de route et différentes attitudes qu'on peut voir de ce gouvernement, enlever la notion de département, au pire, enlever cette notion de Mayotte française, fait partie de la stratégie de ce gouvernement ou pas, selon vous? En tout cas, il y a à Paris des gens qui n'ont pas encore désarmé, qui ont perdu plusieurs manches, parce que Mayotte patiemment a gagné toutes les manches, mais il y a des gens qui n'ont pas encore désarmé. Et donc, qui travaillent d'arrache-pied, c'est pourquoi les Mahorais doivent être vigilants et démontrer qu'ils ont, conformément à leur slogan « Rahashiri », d'être vigilants. C'est tout. Ah, je pense, parce que en tout état de cause, ces velléités-là existent. Il y a encore des gens en France, à Paris, qui ne veulent pas, quand je dis des gens, je parle de décideurs, oui. Qui ne veulent pas que Mayotte reste française. Absolument. Ah, il faut le savoir. Ceux qui feindront de ne pas le savoir, je crois qu'ils risquent de se lever avec la gueule de bois. Et est-ce que juridiquement, dans les statuts, est-ce que les choses peuvent changer ou c'est impossible? Il y a plein de gens qui nous disent « maintenant ça y est, c'est fini, on est département, ça ne peut plus changer ». Alors, les initiateurs de la revendication départementale avait vu dans le statut de département d'outre-mer un ancrage définitif à la République. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas tout à fait exact. Je citerai l'exemple de l'Algérie. L'Algérie était un ou deux ou trois départements français. Ils sont partis à l'indépendance. Ils sont aujourd'hui un pays indépendant. Cela veut dire qu'on peut être indépendant, on peut être département et devenir indépendant. Le seul avantage que nous avons aujourd'hui à nous, c'est que le Conseil constitutionnel, dans une décision du 30 juin 1975, a dit clairement que Mayotte est française et ne peut cesser d'appartenir sans la volonté de ses habitants. Donc, ici, Mayotte devait quitter, et puis ensuite est venue la réforme de 2003, à laquelle j'ai participé, la réforme constitutionnelle, où on a écrit Mayotte dans la Constitution. Donc, ça devient un peu plus compliqué que l'Algérie, parce qu'il faudra, un, modifier la Constitution, deux, organiser une consultation des Mahorais et obtenir que de cette consultation, il y ait un avis favorable à quitter le giron français. Donc il y a une petite complexité à y arriver au bout. J'ajoute que
bon, il y a cette complexité, mais qui n'est pas insurmontable. Parce que quand on régularise, et ça c'est de la main de l'exécutif français, on régularise des gens en situation irrégulière, qu'on donne la nationalité française à ceux qui sont là, qui sont nés ici, ainsi de suite, rapidement on arrive à une majorité qui peut effectivement infléchir les décisions des Mahorais, je dirais qui... Bah oui, si le Mahorais est donc, minoritaire et que le Comorien est majoritaire, si à un moment donné on passe devant dans les urnes... Et donc, je crois que c'est cette peur-là qui s'exprime. Aujourd'hui, c'est cette colère-là qui s'exprime. Je veux simplement dire au gouvernement, ne sous-estimez pas la colère des Mahorais, parce qu'ils sont profondément attachés à la République. Ils n'entendent pas que les choix qu'ils ont exprimés plusieurs fois soient modifiés de manière insidieuse. Vous restez avec nous, Mansour Kamardine. C'est la fin de cette première partie de ce temps de parole. On se retrouve juste après.